Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et aujourd'hui nous retrouvons pour une nouvelle session de Neverwinter Night. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à faire? Deux choses à faire, les deux missions déjà, sur le temple de Tyr et l'amulette de Materson. Je pense qu'on va déjà s'attaquer par celle-là. Si j'arrive pas, je dois utiliser des solus. Attends, j'ai déjà fini quand même masse de kite. Énorme pour un premier chapitre. Mine note juste. Ah oui, ça faudrait que je récupère avant de passer au chapitre 2. Parce que dans cette session, on va passer au chapitre 2. Enfin. Quoique, je vais peut-être déjà faire le temple de Tyr. Alors, regarde le tombeau récemment fini. Alors. Responsable, c'est le document qui reste concernant leur découverte. Donc on va déjà faire ça. Objet. Le livre. Où est-ce que je l'ai mis? Carnet de fouilles du tombeau. Alors, ce livre détaille les recherches. Les indications sont vagues, mais le livre souligne que chaque tombeau prend une fenêtre par une porte. Nana. Non, ça c'était bon. Normalement, si je me trompe pas, j'avais déjà les trois trucs de sanctuaire, mais je ne sais pas quoi en faire. Peut-être les donner à un elfe. Je vais foutre ça là. Je vais prendre le temps de ranger quand même. La clé, là, elle va là. La clé d'ordre, elle sert à quoi? Ah oui, c'était pour le masque de pierre lune. Des shuriken plus 2. Et puis des trucs à vendre. Faudrait que je les vende avant de passer au prochain chapitre. Des bottes qui me servent à rien. Est-ce que je peux manipuler la chance à chaque fois? Non, je vais me faire foutre, très bien. Bon, on va déjà essayer de... Je vais retourner au truc de... au palais de justice où j'ai stocké mes objets. Il me semble que j'ai trois trucs. Je vais voir Olef quand même. Quand je me souviens où j'étais. C'était par là-bas. J'ai très très hâte de passer au chapitre 2. Parce que... C'est pas que ça dure, mais ça dure. En même temps, j'ai une vie à côté. Et en ce moment, je ne vous cache pas que je sens que ça, même une session par mois, ça va être très dur. Mais là, je la fais parce que je suis bien. Et parce que c'est dimanche. Olef, oui, alors attends. Tant que je m'en souvienne, dans ton meuble normalement j'ai mis des trucs. Alors c'était pas là, donc ça doit être dans ta bibliothèque ou dans la pile de livres. Non, faudra que je vous lise un jour les livres que j'ai le droit dans ce jeu. Je suis sûr que ça peut être bien. Ah voilà, donc j'ai le bouclier de cérémonie, la flèche de cérémonie et l'épée de cérémonie. Ouais, donc j'ai quand même récupéré tout ce merdier. Donc je vais les prendre, j'allais voir Olef et je vais dire tiens, j'ai ta merde. Mais normalement j'ai tout. Donc normalement ma quête doit être finie. Continuer. J'espère qu'il y a du nouveau sujet. Ouais. C'est une grande découverte, donc alors l'épidémie vos défenses certainement réduit. Alors attaque. Les gens ont fait. Il est possible que de puissants artefacts soient découverts avec les dépouilles des vêtements, mais je n'y crois pas. Alors raconte qu'il y avait, j'ai une copie de votre lettre, ceci. Apportez ça bizarre dans le cadre. Il trouvera sous ça de mise dans la liste de bannière. Venez me voir si vous. Mais putain! Mais j'ai tes objets à la con! Bon, mais putain, tu me les brises, attendez. Si je fais. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Voilà la tire, capacité spéciale, parler, examiner, lancer un sort. Il n'y a pas donné un objet. Attendez, si je fais. Donner l'objet à Olef. Impossible de marchander avec Olef. Non. Et puis. Tu me livris sérieux. Donc est-ce que ça voudrait dire que je dois retourner au quartier de la péninsule?
On va essayer de retourner au quartier de la péninsule. On sait jamais, peut-être que j'ai skippé un dialogue comme un con. Ce qui a entraîné une grosse connerie. Dégage. Ah oui, alors lui, je crois qu'on pouvait le... Ouais, en fait, mon grand, je suis 10 fois plus OP que toi. Donc, on retourne au quartier de la péninsule qui est juste devant moi, légèrement sur la gauche. Peut-être que j'ai oublié de parler à ce personnage. Et ça me ferait bien chier. Sinon, bah, je ferai une ellipse et je chercherai une soluce. Parce que j'ai pas de race. Oh, ces musiques sont très belles. Vraiment, j'adore. J'adore ces musiques. Une maison à l'est. Une maison à l'est. Il me semble que ça devait être la maison qui se situe. Merde, vous êtes sûr que je suis au bon endroit là? J'ai un doute. Livre. Ah, c'est livre. Alors. Ni des mendiants, mais non, j'ai fait de la merde. Ce livre à détail. Le quartier de la péninsule, j'y suis. Ah, à moins que, attendez. Il y a 4, à moins qu'il y ait 4 choses. Ouais, il y a 4 items. Ouais, donc il faudrait que je me souvienne. J'ai trouvé dans le grand cimetière, ça doit être là où j'ai oublié. Aqueduc de la partie nord-est, quartier de la Knoire, partie sud-ouest. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai dû zapper un endroit. Non mais reviens. Ça doit être ça. Bien, alors j'ai la soluce à côté de moi, donc du coup effectivement c'était pas facile du tout. Et je suis un petit peu trop con, donc on va aller directement au nid des mendiants qui se trouve juste là-bas parce que je suis trop con, parce que souvenez-vous, les bouts de papier déchirés que j'avais trouvé, en fait c'était des indices pour trouver les artefacts de comment elle s'appelle déjà, de l'UF pas d'hiver. Donc je vais revenir où j'étais. Donc pour le nid des mendiants, il faut que j'aille au cimetière qui se trouve là-bas. Donc tac, hop, demi-tour. Parce que l'énigme en fait de ce... Enfin, le bout de papier que j'avais trouvé ici, c'était un mur à bout de bras. Et donc il fallait comprendre que le mur à bout de bras, c'était le bouclier. Car un bouclier peut paralyser attaque et agit donc contre un mur, contre les armes et les projectiles. Et oui. Donc du coup, ce bouclier, il faut donc le mettre dans un coffre, d'après ce que je suis en train de lire. Donc là, il faut que je retrouve. C'est donc un endroit où je n'ai pas pu aller dédaler, l'amener. Non. Passage souterrain. C'est un endroit où une porte était fermée. Donc c'était pas là. Là, il y avait la masse de zombies, je m'en souviens. Voilà, c'était ici normalement. Non, c'était pas là. C'était un endroit. Voilà, juste là. Et donc là, dans ce coffre, il faut mettre le. Il est où le bouclier? Et voilà. Et bien sûr, le bouclier disparaît. Je viens de faire planter le jeu, il me semble. Est-ce que je viens de faire planter? Je non. Le bouclier a disparu. Et donc, je vais entrer dans ce tombeau. Avec. Alors, il y a une momie. Donc, vous connaissez les strates. Ah putain, mais elle a un pouvoir, j'ai l'impression. Terreur. Merde. Mais attaque là, du.
connard. Espèce de connard. Dans ce cas, je vais essayer une autre. Voilà. Là déjà c'est mieux, il n'y a plus d'erreur parce que j'ai fait glitcher le jeu et j'adore ça. Enfin je pense qu'il doit y être aussi, il y a toujours les jets d'erreur que je dois faire. Ah la momie a pas l'air très résistante. Non mais non mais non. Vous savez que je déteste les incubations. Les incubations c'est moche. C'est dégueulasse même j'ai envie de dire. J'évite. Hop là. Deux attaques d'éviter. Est-ce que... je vais rater la prochaine attaque. Incubation débutée. Génial. Vous savez que j'adore ça. Vous savez que j'aime ça. Donc là, vas-y, attaque. Mais lui au moins du dégât. Et là, incubation. Non. Toucher. Oui, 5 points de vie. Est-ce qu'il va me toucher ? Toucher, incubation, génial. Ça va être long. Ça va être très très long. Ça va être chiant surtout. Mais non, oh non, j'ai terreur qui réussit. Génial. Oh, c'est la vie ça. Oh, j'adore. Ah, j'aime. Le jet de terreur qui réussit, toujours. Non mais sérieux dans ta vie, respecte-toi. Bon, le jet de terreur, il n'y a plus qu'à attendre qu'il s'annule. Je suis effrayé. Mais son sort, si sa zone de sort est toujours active. Ah, je ne suis plus effrayé. Donc, tac, tac. Il est où? Il est là. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Réussite. Et bam, 5 dans tes dents. Est-ce que tu vas foirer ton attaque? Il a foiré son attaque. Tac, la sauvegarde. Sauvegarde magique. Oui, ça y est, ça y est. La RNG est avec moi. La RNG me sauve. Et pendant que je me faisais déranger dans la vie, j'ai vu que j'étais incubé. Donc on va charger la partie. Mais j'ai déjà mis masse de dommages. Donc ça c'est génial. Et c'est pas mal du tout. Donc là, vite. Blesse-le encore un peu. J'ai réussi mon jet de parade à l'effrayement. Allez, plus que... Allez, sérieusement blessé là. Juste, fais pas de conneries. Parfait. 4 immunisé contre les coups, ça marche pas mon cul. Incubation, j'aime ma vie, j'adore. Allez, vas-y. Oui, une esquive, c'est trop bien. Oui, incubation, encore mieux. Lol. On s'amuse. Oula, qu'est-ce que tu fais? Putain, mais la fuite de merde. Oui, il y a un sarcophage. Non, mais sérieusement, respecte-toi. Réussis ton jet de volonté, j'ai envie de dire. Respecte-toi. Ne fais pas ta pute. Réussite, oui, c'est bien. Incubation, ah bah là, c'est mieux. Oh, ce héros ne se respecte pas. Je pense que ça doit faire partie des combats les plus longs du monde. Voilà, là il a réussi. Là il met du 3, c'est déjà énorme. Hop, il rate son attaque. Voilà, encore un 3, un 7. Allez, attaque-moi et fais pas de conneries. Parfait. Voilà, c'était long.
C'était chiant, j'ai gagné 84. Je suis à 32 000 et quelques. Donc là, normalement, je suis bon. C'était un combat extrêmement chiant. Alors, ce sarcophage, il y avait un piège, moi, dégoûté. Ah, chronique ancienne d'Eliuf Malivert. Ce vieux tombeau détaille les dernières années de la vie d'Eliuf Malivert et les épreuves qu'il dut surmonter pour fonder la ville portant son nom. Tout cela est écrit dans une langue guinéenne. Et tchac! Alors, premier objet obtenu. On se repose. Et on va direct aller au quartier des docks pour le deuxième item. Dans le quartier des docks, il y avait une note qui disait que je ne sais plus. Si, là, dans le forge. Et j'ai mis. Alors, comme un con, j'ai cliqué autre part. Lorsque je suis au repos. Donc, c'est normal que ça fait n'importe quoi. Donc hop, on utilise la pierre de rappel. On ne va pas voir Olef tout de suite parce que Olef il est chiant et on va direct aller au quartier des docks. C'est important de finir au moins ces quêtes-là. Bon, vous vous en foutez peut-être, mais c'est important. Je sais pas le jeu, je ferai peut-être pas le jeu à 100%, mais c'est pas grave. Quartier des docks, ouais, je l'ai passé devant moi. Donc, dans ce quartier, il y avait Dawn Forge. Donc, Dawn Forge, évidemment, ça symbolise l'épée. Évidemment. Ok, alors là, je regarde vite fait où est-ce que se situe c'est là où je devais aller. Alors. Dans les aqueducs, de domaine, la pomme dorée. Les aqueducs, donc c'est là-bas. Si je prends mon livre. Examiner, quartier doc, partie des aqueducs. Ah non, aqueduc de la partie nord-est. Ouais, je n'ai pas bien compris. Ok, bon bah je sais pas trop là. Là je doute un petit peu. Donc je vais essayer des trucs. Voilà, oh là, le jeu est RAM. Je vais partir sur les aqueducs. Voilà, ils disent la partie nord-est des aqueducs. Ok, pourquoi pas. Alors c'était la barque juste avant de prendre la barque pour aller dans les égouts. Donc c'était pas là du tout en fait. Ah oui c'est vrai, ça c'était des drops de superbes costumes comme ceux que j'ai. Aqueduc, croisière des vins, maison fermée, la taverne miteuse, domaine en drôle, non. Ah faut que je me souvienne où j'ai été. Oh là là ça va être chiant. Toi, est-ce que je pourrais avoir juste la bénédiction, s'il te plaît? Merci. Au moins ça. Livre, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Je te demandais une bénédiction. Je sais pas ce que tu m'as fait, mais tu me l'as fait, tu vas payer pour ça. Les aqueducs, non, c'est pas là. Ah, je sais plus où c'est. Je retourne à la taverne mythos, peut-être que c'est un endroit où je me suis raté. Non. Je sais que ça devait être un endroit souterrain. Ça rame du cul comme pas possible.